Dans quoi je m'engage, moi? C'est quoi ce truc? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On découvre aujourd'hui Bum Simulator, un jeu à prendre au millième degré. Clairement, il sortira le 26 août prochain sur Steam. En version PC, pas d'infos pour l'instant. Pour une version éventuellement console, on verra, mais à mon avis ça sortira parce que regardez, c'est compatible intégralement à la manette et ça franchement, c'est génial. C'est un jeu de simulation de sans-abri. Alors attention, c'est vrai que c'est assez particulier. Comme je le dis, c'est un jeu à prendre au millième degré. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est immoral? Ce n'est pas à moi de le dire. Je présente le jeu. Après, effectivement, ça peut gêner de jouer un sans-abri. Je peux le comprendre. Moi-même, c'est une thématique que je trouve que ça tire un petit peu sur les cordes sensibles. Mais on va lancer le jeu et on va voir un petit peu ce que ça donne. Espérons qu'au moins, il soit drôle, il soit fun. Parce que c'est ce qu'on recherche finalement d'un jeu vidéo. Du moment où c'est drôle, ça peut passer. On verra bien. Allez, on commence en tout cas une nouvelle partie. J'ai jamais lancé pour l'instant. J'espère que c'est sympa. Allez. Alors, difficulté normale. Ta santé diminue à vitesse normale lorsque tes jauges de besoin sont vides. Tes jauges de besoin se vident à vitesse normale. Les ennemis infligent des dégâts normaux. Ok, bon, on part en normal. C'est parti. Donc, normalement, on contrôle effectivement un sans-abri. Il va y avoir une histoire de... On va devoir survivre dans la rue. Il y aura des défis. Et ainsi de suite. Si le délire vous plaît, je vous invite à laisser un pouce bleu. Et pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. You're alive! Got me worried there, pal! They fucked us up pretty bad, huh? Huh? Damn, you really don't remember a thing? I'm Carl! Carl Cardman, your best pal! At least I was, until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart! Now we have to get my body back! Oh, and your brain, too! They cut out, like... half of it. Possibly more. No worries, I'll teach you everything. That's what friends are for. Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Uh-huh. Well, if you do, then why are you dying of thirst and hunger? Eat and drink. Basic needs. Ok, il y a un côté Sims. Tu dois faire les poubelles pour trouver de la nourriture, des boissons et de la ferraille afin de survivre. Très bien, vous remarquez les jauges en haut à gauche. Check the nearby trash cans for anything edible. Très bien. Nouvelle quête, la vie dans la street. Ouais, c'est un vrai jeu, en plus c'est traduit et tout, cool. Et on peut jouer donc au clavier souris, également à la manette, qui est totalement reconnue. Ça c'est bien. Alors, interagir avec les objets. Ouais. Nothing useful. Get used to it. Keep looking. Moldy bread. Du pain moisi. You will eat it if you want to live. Utilisez LT pour consommer un article. Miam miam. Still hungry, huh? I bet there's more stuff buried in those trash cans. It just needs help getting out. Why not give them a little kick? As long as no one sees it, you'll get away with worthless crap. Move up, only one left. An apple core. Always eat your veggies. Yeah, yeah, fruit. Whatever. Just eat it. That should keep your hunger at bay for a little while. Still, you look like you're going to die of dehydration any minute now. J'ai soif. C'est un délire ce jeu. Try breaking those garbage bags. With some luck, you'll find a whole carton of expired crap. Alors attends, faut les balancer pour les pour les casser quoi. OK. Avec de la force s'il te plaît. Good fine. You can store it in me and we can sell it later. Une poêle à frire. Tu peux stocker les articles dans Carl, ton inventaire mobile. Oh, that hits the spot. Scrap is nice, but we still need something to quench your thirst. Fouille dans le tas de déchets. Try searching this big pile of trash. Nothing, huh? Well, it seems there's nothing to drink around here. Guess it means that I need to share my private stash with you. Yes, I had it the whole time. Yes, I know that I can't drink or eat in my current state. No, I wouldn't let you die. Don't look at me like that, jeez. It's all yours now. Help yourself. Interagis avec Carl pour afficher ton inventaire. Mange quelque chose de Carl. Alors, j'ai un hot dog. Est-ce qu'on peut faire cuire éventuellement la poêle? Bah, il nous faut du gaz, du feu. Bah, écoutez, je vais la manger crue. Donne-moi ça. Consommer. Miam miam. Okay, pal, if we want to get my body back. And your brain.
then we need your special powers. Huh? You are the Pigeon Master. Yep, your pigeon coop is broken, though. I bet the bugs stole the birds while we were being experimented on by Evil Way. Huh? The Bugs, one of the two bum gangs who rule this city. We're the creeps, they're the bugs. And what do we do with bugs? Squash them, that's what! Hop on, I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. Positionne-toi derrière Carl et interagis avec sa poignée pour le conduire. Ok. It's an easy route. Just push me where I tell you, ok, pal? C'est GTA à Clodoville. Le repère de mission sur la boussole t'indique l'emplacement de ton prochain objectif. Très bien. Alors on peut voir la carte comme ceci, d'accord. Attends, il y a carrément des ennemis? Un magasin, peut-être? On peut dézoomer, yes. La carte a l'air assez grande. Et on dirait, d'aspect, les anciennes cartes, genre San Andreas. C'est fou, ça. Bon, ça a l'air petit, mais en même temps, on se déplace pas en voiture, hein, on est en caddie. Donc ça va. This spy is a nasty fellow. Faut aller selling out his friends and ah, d'accord, still là-bas. Being able to on peut reculer? Look straight yes. In the eyes. Those stupid little bug eyes. I tell you, the bugs are the lowest form of life. We creeps would never sell out our friends, right, pal? Now keep pushing. Je pousse. On va suivre les checkpoints dans cette première mission. Et il faudrait vivement trouver de quoi picoler, parce que là, ma jauge est assez basse. Ah, je pensais pas qu'on aurait carrément un open world. C'est marrant. Bienvenue à Clodoville. Les quais disponibles sont indiqués avec des lettres sur ta carte. Non mais attends, c'est GTA. Il est midi, c'est l'heure de la bouffe. Entre dans la zone indiquée pour commencer la quête. Les quêtes principales sont marquées d'un C comme Carl. Comme par hasard. Terminer la vie dans la street. Bonjour. Here he is. Hey, Bugface! Shh. Stay over there. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient. This way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing. Let's get down to business. I need some info on... I know why you came. Your stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one of them, but it'll cost you some serious money. $10. Shit, you're a greedy ass, you know that? Well, I'm a bum, not an ass. There's a difference. Yeah? What difference? $10. Fine! I wanted to show you how to harass people for money anyway. Begging for money is done in two steps. First, you draw a message on a piece of cardboard, then you shake your lucky cup in front of some faces. The more work you put into your message, the more money you will collect. You can edit your message at any time. You still have your lucky cup, right? Ouais, alors maintiens LB pour afficher le menu de compétences et choisis mendier pour activer ou désactiver le mode mendicité. Mon dieu. Alors maintiens LB. Ok. Mendier. Good. Time to let people know that you're in need of some cash by writing a message on the cardboard. Help. Je vais écrire help. Ok. À la souris, est-ce que ça se fait mieux? Attends. Ouais, ça se fait mieux à la souris quand même ça. Qu'à la manette. Help. Je suis vraiment un connard. Je vise la corde sensible. Help me. On fait comme ça, hein. Donc on écrit ce qu'on veut, hein. Help me. J'aurais pu mettre please, mais j'ai pas la place. Bon, de toute façon, peu importe, hein. Score B. Hey, not ah, d'accord. Bad. Should get your point across. Now shake your cup in front of some faces to get attention. And money if you're lucky. Par contre, j'ai le bras qui passe très vers le panneau, c'est normal? Ah d'accord. De l'argent s'il vous plaît, de l'argent. Eh hey, monsieur l'agent. De l'argent. De l'argent. Envoie la monnaie. On me paye pas assez pour ça. Bah tiens. C'est pas une excuse.
c'est que je te casse la gueule. Ah ouais ? Hey, le jeu est réaliste ? Pardon. Alors. You look like you can use a drink. Madame, s'il vous plaît. Eh ben voilà ! That's it. Keep going, pal. Attends, j'ai eu un dollar ? Oh, carrément ! Mais quelle grossièreté, madame ! Pour l'instant, j'ai zéro. Mais attends, il me semblait qu'elle m'avait donné... Merci, monsieur. Un dollar, ça y est. Ah, elle m'avait filé 14 centimes, je crois. C'est ça, non ? T'as pas d'argent, toi. Ok. Ouh, vu le costard. Ah. Merci, monsieur. 1,80$. Putain, c'est long, quand même. Hein. Ils sont pas très généreux. Hein. 66 centimes. Ah, ce jeu de mort. Merci, monsieur, mais j'ai vraiment très très soif, hein. Madame. C'est vraiment un jeu de simu, quoi. Allez, contribution, s'il vous plaît. 2,28$. Et le caddie qui me suit partout. T'inquiète, c'est pas pour de l'alcool. C'est juste pour de l'eau. Ah, mais ce jeu me flingue. Ah, je sais que je dois boire quelque chose. Madame. Envoie la monnaie. Ok, 4,28$. Qu'est-ce que c'est long, okay. C'est là que tu sens le vrai jeu de simulation. Merci monsieur, madame, contribution pour un homme en détresse. Madame, je ne vous quitterai pas des yeux tant que je n'aurai pas l'argent. Très bien. Pas très généreux, hein. Attends, on va réessayer avec monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Non, ce n'est pas illégal. Envoie la monnaie. J'ai envie de le provoquer pour voir ce qu'il fait. C'est énorme. Je vais mettre dans le titre « Tabassé par un policier ». Monsieur, bon, vous êtes en vacances ou quoi? Allez, monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. Oh, monsieur a été généreux en plus, il me semble qu'il m'a filé un dollar. Ouais, vite, dépêche-toi. Elle m'a fait un doigt, c'est honteux. Belle veste, monsieur. 6,02$. Ouais. Allez, on renvoie, monsieur. 6,59$, c'est pas toujours les mieux habillés qui sont les plus généreux, hein. On le redit, hein, on le précise. Monnaie, monsieur, monnaie. Monnaie, 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 monnaie. Ouh, bien, 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 1,36$, je pense que c'est le plus généreux depuis le début. Salaud. Madame. D'accord, j'allais dire, les dames sont toujours gentilles. Ah oui, d'accord, eh, les dames dans ce jeu, c'est terrible, hein. L'image de la femme. Oh. C'est moche. Madame, on va faire une tentative. Ah, voilà qui remonte. Ah non, je pensais, mais non, pas du tout. Elle m'a fait une feinte. Ah bah lui aussi. Ah ça y est. Il manque pas grand chose, monsieur, s'il vous plaît. Ok, 8,38$, c'est bien. 42 centimes. Ouais, bande de rats. Monsieur, s'il te plaît. Je suis presque à court de boissons. Envoie la monnaie. Je vais changer de trottoir. Je change de trottoir. On va voir si c'est mieux de l'autre côté. Alors je me doute qu'en ayant un meilleur dessin, peut-être que ça peut le faire. T'as oublié ton portefeuille. Tu veux un coup de boule? Sans déconner. Ça veut dire que tu n'as pas tes papiers sur toi. C'est honteux. Monsieur? Allez, crâne d'œuf. Envoie. Great work. Et voilà, je les ai. Impeccable. Un pigeon, un pigeon. It's a pleasure doing business with you. You'll find your bird down this alley. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safekeeping, while others went out to search for a buyer. Better hurry before they come back. Ok, j'ai reçu mes 10 premiers dollars. C'était long, c'était dur. Trouver le pigeon volé. Cache aux oiseaux. Putain, c'est galère pour avoir ne serait-ce que 10 dollars, hein, des gens. Quelle bande de rats. Attends, c'est où? Ah, c'est le C, je pense, hein. On peut mettre un point? Attends. Étape personnalisée. Ah, je pense qu'on pourra, mais pour l'instant, à mon avis, ça bloque, hein. Alors, attends, est-ce qu'il faut contourner par là? Je vais prendre le caddie, hein, ça ira plus vite. Suis-je bête? Non, parce qu'à pied, bonjour, hein. Conduire. Allez, mon Karl. Vas-y, on recule. Marche arrière toute. Ok, t'as fait une épreuve rien que pour passer entre les grilles. Allons-y, est-ce qu'on peut... Mais il vient de spawn. Tu dois boire quelque chose. Vent. Mais j'ai rien fait. Vandalisme. Mais non. Ah, voilà le monsieur. Ah, j'adore ce jeu. Comment je sors? C'est comme ça. Voilà. Mon pigeon. Trouve le pigeon volé. Lost something? You wanna get your precious birdie back?
Well, this is the only bird you'll get. C'est vraiment tous des cons en jeu. Stand there. Flip him back. Creeps allowed. Regarde une personne et appuie sur pour lui faire un doigt d'honneur. You'll have to try harder than that to piss me off. Oh, good idea. Try to piss him off. Or better yet, on him. Non, faut lui pisser dessus. Ah, c'est ouf. Cadeau. Oh putain. Ok, on se défend. Amène-toi. C'est de baston. Ça fait mal quand même un peu, hein. Tiens. C'est qui le boss? Oh, j'adore. C'est particulier. C'est un jeu à prendre au millième degré. Mais c'est drôle. Right now, this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. She might be able to help. This way. Let me go! A talking shopping cart. New toy of yours, eh? Stay where you are and give us your pigeon back, or this freaky thing goes bye-bye. Little help, pal! Frappe le bestiole avec ta nouvelle compétence. Choisir une nouvelle compétence. Pigeonne à équiper. Ça va être quoi le délire encore? Attends. Maintien. Shuriken! Mais non! It seems that you have recovered your shuriken pigeon. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. It flies in a straight line and lodges itself into the target, dealing damage and even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly faster. Mais c'est génial! Alors, vise et appuie sur RT pour utiliser la compétence pigeon. C'est trop bien! Headshot! Oh là là! Let's fly! Ce qu'on lui a mis! Oh, c'est trop débile, putain! In case you don't remember, Pigeon Lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her prestige eggs. You haven't visited her much lately, though. I hope she didn't forget you. She could be a little weird sometimes. Well, most of the time, actually. Okay, all of the time. Still, she shouldn't refuse to help a pigeon in need. Par contre, je suis en train de mourir. Attends, il faudrait boire quelque chose. Ah, peut-être fallait aller ici. Attends, y a pas un truc, y a pas une boisson dans le coin? Ouais, y a une boisson là. Est-ce qu'on vient en arrière? Ouais, juste pour aller voir si on peut boire quelque chose. Attends, je reviens en arrière, vite. Dépêche-toi. Par contre, je maîtrise plus la caméra. Je suis où? Attendez, je reviens en arrière parce que là, je vais crever. Pardon, monsieur. Acte de vandalisme. Je reviens vite en arrière. Essayons de survivre. Allons boire un petit coup. Où est-ce que c'est exactement? On n'est pas loin. Est-ce qu'on aura le temps? Je suis pas sûr. Là, je prends la route. Faudra aller sûrement dans un petit chemin, une petite ruelle. J'ai presque plus de vie. J'aurais pu y penser avant, c'est vrai. Par contre, est-ce que la bouteille est payante? Je suis presque mort. Allons-nous survivre? Ok. Open 24h, c'est ça, non? Dépêche-toi vite. Monsieur! Monsieur! Vite, une bouteille! Achetez! Ah, mais il faut 7$, mais j'ai pas de sous! Je vais mourir! Vous avez pas un truc moins cher, monsieur? Ou de l'eau? Mais non, mais je vais crever, c'est obligé! Aidez-moi, monsieur! Je suis mort! Parce que j'avais plus d'eau. Bah oui. Ok, bon. Ah, je suis revenu à un niveau d'eau moyen. Ok. Retournons à nos pigeons. Alors effectivement, on meurt si on ne boit pas forcément. Hein. Ça, c'est d'une logique implacable. C'est comme en vrai. Hein. Si tu picoles pas, ça va être compliqué. Du coup. On va jusqu'au lieu de mission. Attention, parce que là, on a des points rouges à gauche. Donc je suppose des ennemis. Et ce sera bien de faire le plein aussi de boissons, de bouffe et tout. Pour l'instant, j'ai que dalle. Et on arrive au lieu de mission. Uh-oh! It seems we aren't the only ones paying a visit to the pigeon lady. Shade, I can't believe she kicked us out. I was sure she'd want to buy it. Crazy old hag. It's you! How did you... Never mind.
bugs. Swarm him and take him out. Watch out, big bugs. Oh non, attention. Vint le commandant des bestioles et ses sbires. Le problème c'est qu'il a une grosse armure. Hein. Allez, combinaison. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'occupe des petits et après le commandant. Ok. Amène-toi. Oh, attention, je vais me faire écraser. Bah alors, combat lourd. Aïe. J'ai ma vie qui descend très très vite quand même. Oui, bien joué. Et on passe au niveau 2. Parfait. Alors, ramasser, corps inconscient. Déposer. Attends, tu peux le ramasser, tu peux le soulever. Ok. Putain, je suis costaud, hein. La vache, est-ce qu'ils ont quelque chose à me filer, non? Il n'y a pas d'objet à récupérer sur les corps. Très bien. Bon, là, on va emmener le pigeon. Pour de vrai, cette fois-ci, effectivement. Tiens, attends, je voulais voir ce qu'il y avait dans le magasin. Engage ou pour vendre. Bon, on verra plus tard, je sais pas comment ça marche. Pour l'instant, j'ai rien à vendre, ouais, effectivement. On est qu'au début du jeu. Go on, I'll stay on the lookout in case more bugs show up. Besides, she's way too boring. I mean, way too spiritual for my taste. Énorme. Dame Pigeon, bonjour. Long time no see, friend. My pigeons already told me what those pesky bugs did. Let me look at your bird. Oh, what a sorry sight. It used to be so huge. Now it is so small. I'm talking about its spirit. It's tiny and scared. Poor thing lost its home. Got separated from its master. Was held hostage. However, all is not lost. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again. You need to rebuild your pigeon coop. Only then will you be able to bring your birds back to their full potential. Unfortunately, I can't help you with this quest, as it requires parts and skills beyond my reach. However, my winged friends whisper something about a certain entertainer and his scrapyard. He might be able to help you. I'll mark his whereabouts on your map. Please, visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Now go. Build the coop. In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds, free of charge, for old time's sake. Vous savez que c'est un jeu qui était quand même assez attendu dans le milieu, hein. Mine de rien. Sur les points de compétences inutilisés, appuie sur pour ouvrir le menu personnage et les dépenser. Alors, perso. Ouais, putain, c'est un vrai jeu. Alors, cœur bien accroché, augmente la santé maximum. Ouais, on a récupéré un point de compétence, hein, vu qu'on est passé au niveau 2. Augmente endurance maximum, mon poumon de sprinter. Les articles comestibles régénèrent le niveau de faim et de soif plus efficacement. Estomac d'acier, je vais prendre ça, je pense, hein, pour commencer. Allez, j'achète. Point de compétence, ça marche pas? Ah, ça ne marche pas. J'appuie sur A pourtant. Attendez, est-ce qu'il faut que je passe comme ça? Acheter. Ça ne marche pas, je vous jure. Ouais. Ah, c'est bon. D'accord. J'ai pas compris, j'ai appuyé sur une autre touche et là ça a pris. Ok. Très bien, très bien. Alors, fais voir, qu'est-ce que c'est que ça? Costume actuel, interagir. Costume de soldat, d'aviateur. Ok, pour l'instant c'est verrouillé, hein. Ouais, pour l'instant, tout est verrouillé. Ok. Mais non, le jeu est pas moche, hein. Sincère. Bon, si tu regardes loin, bon, c'est un peu c'est un peu limité, mais non, c'est sympa. Hein. Allez, il me faudrait à manger, parce que ma vie est pas terrible. Attends, je vais voir, mais là, non, je peux... J'ai rien à lui vendre pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a en face? Attends, je vais aller check. Eh oh, laissez-moi passer. D'accord. De la fiente. Est-ce qu'on peut revendre la fiente? Attends, je vais voir le pound shop. J'ai rien à revendre là. Engage pour vendre. Bah aucun des deux en fait. J'ai rien.
Tell your friend. Okay. Ah, c'est quoi ça? Machine de recyclage. Ah d'accord, c'est là qu'on peut acheter des choses. Très bien. Ce qu'il faudrait, c'est mendier à la limite pour récupérer un peu d'argent. Ah, c'est pas une rue très fréquentée, c'est pas terrible. On va aller à la prochaine mission, je pense. Ah, ce jeu. J'attendais rien de ce jeu, honnêtement, et je trouve que c'est un vrai délire, et finalement, bah, ils ont fait un vrai jeu, quoi. Ça m'épate. Sincère. Ça, c'est une station essence. Ouais. Tiens, faut les frapper, eux. La réponse est oui. T'as pas mon cadet. Quelle honte. You don't look too good, pal. Par contre, notre vie, elle descend très très vite, hein. Je sens que je vais mourir dans pas longtemps. Allez, écrase-le, vas-y. Termine-le. Énorme. Ah, les bloquer. Voilà, termine-le. corps inconscient. Ah, il est pas mort. Je vais te jeter partout. C'est n'importe quoi. Ok, donc j'ai battu une bande rivale. Là, on peut acheter encore une fois de la boisson, mais le problème, c'est que j'ai rien du tout. D'ailleurs, on a aussi un autre logo. Qu'est-ce que c'est? Il y a une autre mission R, là. T'en fais voir? Est-ce qu'on a une légende? On sait à quoi ça correspond, non? J'ai pas l'impression. Ouais, bonne question. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose là-dedans? Ah, ça on peut ouvrir. Très bien, il y a un cadenas, je pense qu'on peut l'ouvrir, mais il nous faut quelque chose pour le casser. On va utiliser la compétence pigeon de Shuriken. Améliorée. Ah d'accord, on peut pas l'utiliser maintenant. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'on peut récupérer des trucs là-dedans. Vandalisme, ouais, je suis au courant. Boîte de conserve. Ça ne sert pas à grand-chose. Ramasser boîte de conserve, déposer. Je peux le mettre dans l'inventaire, mais ça me sert à rien, ça. Dans la boîte de conserve, d'à manger quelque chose. Ouais, j'ai presque plus de vie. Tiens, qu'est-ce que c'est? Bouteille de propane. Bouteille de propane. Alors ça, à part foutre le feu, va me servir à quoi? Boîte de conserve. Attends. Vire-moi ça, fous des coups de pied là-dedans. On va voir si on peut trouver autre chose. De l'eau. Magnifique. Ah, ça fait du bien. Oui, monsieur. On peut taper là-dedans? Mais non. Chaise cassée. Est-ce que ça peut nous servir à quelque chose à revendre éventuellement? À revendre. Est-ce que tu peux le stocker? Tu stockes des trucs bien plus gros que le caddie en soi. Donc attends, je vais quand même vérifier un truc. Est-ce qu'on peut pas... Non, voilà, faut l'améliorer. Il est planté dedans. Mais ce jeu... Ah, c'est quelque chose. Hein. Attends, on a un autre logo, je vais voir ce que c'est là, à quoi ça correspond. D'accord, et on change simplement comme ça les compétences, tu vois. On appuie sur LB. Ok, ok. Tu dois manger quelque chose. Ouais, monsieur. Une glace, s'il vous plaît. Alors, est-ce que j'ai l'argent, par contre? Ça coûte combien? Oh non, il me manque pas grand chose. Attends, je vais mendier. Je vais mendier vite fait. Help me. Monsieur, un petit peu d'argent s'il vous plaît. 1,45€, il manque 5 centimes. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Eh oh. Je vous cause. Merci. Oh, il a été généreux en plus. Enfin bon, 85 centimes, c'est pas non plus... C'est pas incroyable, hein, c'est pas un don énorme. Allez, 1,50€. Mais si tout le monde donnait déjà ça, le monde se porterait mieux. Acheter glace. Non, c'est bon, je l'ai mangé, je l'ai acheté. Consommer. Ah, voilà. Pourquoi j'ai la santé aussi faible, par contre? Je sais pas du tout. Alors, il y a un logo qui m'intrigue ici. Ce que j'aime bien dans le jeu aussi, c'est qu'il y a un aspect Sims, hein. Ça, c'est vraiment très cool. Faut faire quoi pour reprendre de la vie en vrai? Parce que là j'ai mangé, j'ai bu. Ok, on rentre dans le parking. Et là il y a un logo qui m'intrigue. Est-ce que c'est pas simplement le logo du parking? Peut-être, hein. Attends, je vais récupérer le caddie parce que lui il est quand même beaucoup plus rapide. Moi je me mets pas ça à pied, je suis un peu con. Attends. Si je monte là-haut, je pense que le logo c'est par rapport à ce qu'il y a là-haut. Donc on découvre là l'univers du jeu, hein. On enchaîne pas forcément les missions principales pour l'instant. Ok, c'est ici. Regarde. Il va y avoir plein de choses secondaires à faire. Tu peux pas faire ça en conduisant Carl. Ok. Attends, bouge pas. You probably don't remember this place, but it's a training area for your pigeon shuriken skill. You've built a couple of places like this around the city, so you can always train to be a better bum. Pay them all a visit if you want to hone your aim and reflexes. Do that, and you'll be as strong as your former self in no time!
Simply stand in the designated area and equip the pigeon to start the training. D'accord, et il me donne un pigeon shuriken pour commencer l'entraînement. J'ai compris. Tire au pigeon. Et donc là, on pourra avoir l'attaque sûrement améliorée, et ensuite on pourra péter le cadenas, qui est juste à l'extérieur. Compétence pigeon. Et maintenant, touche suffisamment de cibles pendant le temps imparti. Ah d'accord. Ah, attends, j'étais pas prêt. Non, mais c'est trop chaud. Let's go. Je l'ai eu là, non? Oui. Vas-y. Ok. Ici maintenant. C'est pas évident. Ah, il bouge au dernier moment. C'est super sensible en vrai. Touché. Je l'ai eu. 6 sur 15. Ensuite. Faut anticiper. Alors attends, je voulais voir. C'est trop chaud. Let's go. Ok, sur le côté. Attends, je prends la souris pour être plus rapide là. Pour être plus précis. Ce sera plus simple. Ah, j'avoue qu'à la souris, c'est mieux. Hein. J'ai joué. Mais non. Ok, faudrait que je prenne la souris depuis le début. You've built a couple of places like this around the city. Ouais, je sais, pour devenir un meilleur clodo, ok, j'ai compris, merci. Pay them all a visit if you want to hone your aim and reflexes. Il a déjà dit. Do that, and you'll be as strong as your former self in no time. Je vais recommencer. Simply stand in the designated area and equip the pigeon to start the training. Ah, il veut faire commencer directement? Ah d'accord, ok, très bien. Donc on n'a pas réussi. On retente. Alors, tire au pigeon. Par contre, attends. Ça marche pas? C'est quoi ce délire? Attends, bouge pas. C'est bon, on y va. Oui. Let's go. Allez. S'il te plaît, fais pas le con. Yes. C'est beau ça. Faut anticiper un petit peu. On est déjà à 7 sur 15. Touché. Faut être vache rapide. Hein. Je crois que j'ai loupé. 9 sur 15. Rrr. C'est chiant. Bien joué. 12 sur 15. Loupé. Enchaîne. 1 par là, 14, reste 8 secondes. C'est bon, les arts. Et on passe au niveau 3. Yes! Normalement, j'améliorais ma compétence. Hein. Shuriken. J'ose espérer que je l'ai boosté. Hein. Attends, est-ce qu'il faut aller dans les compétences, justement, perso? Cœur bien accroché. J'ai récupéré un point de compétence. J'améliorerai ma vie. Hein. Ouais. Bah ouais, faut payer sur LB du coup hein, pour les améliorations, c'est pas la touche A comme indiqué dans le jeu. Quand ce sont de la base, les graines plantées poussent plus rapidement. C'est quoi ça? Attends, mais j'avais pas vu. What? Les cafards t'offrent plus d'articles lorsque tu termines leur mission. On va se marrer hein. Ok, il y a des plumes à récupérer, des plans, niveau collectable. Il y a des bases aussi. Une histoire de respect. Ok. Très très bien. Alors là maintenant, vu que j'ai réussi cet entraînement, est-ce qu'il y a moyen, éventuellement, est-ce qu'il y a moyen de péter ce cadenas à l'extérieur? On va aller voir. Hein. En tout cas, on a fait les premières missions du jeu, et je dois avouer que l'ambiance me fait bien triper. C'est très particulier, faut prendre au millième degré, de toute façon, il y a plein de jeux assez arbres, hein, surtout chez Playway, hein, qui est un développeur qui fait 10 000 jeux à l'année. Alors attends, c'est par ici, on va voir si le cadenas peut le péter. Hein. Des boules blanches, de bonne glace. Mais ça va, j'ai mon compte. Hein. Hop là. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Attends. Passe là-dessus, parfois ça bug un petit peu. Shuriken. Let's go. Ça marche pas? Pigeon de shuriken amélioré. Donc je l'ai pas. Je pense que pour avoir la compétence améliorée et donc casser le cadenas, il faut avoir terminé toutes les missions comme celle qu'on a faite avant hein, de tir au pigeon. Il y en a pas mal sur la carte, donc on fera ça la prochaine fois, si ça vous dit. Hein. Si le jeu vous plaît, pensez à laisser un pouce bleu. Si c'est le cas, pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, c'est un jeu à prendre
au millième degré, mais sincèrement, je le trouve plutôt bien construit et c'est un vrai jeu. Je pensais pas, je pensais que c'était juste un petit jeu comme ça à la con. Et non, sincèrement, il est assez complet avec un côté Sims, des missions, voilà, des combats. Bref, il y a pas mal de trucs à faire dans le jeu et je sens qu'on va bien se marrer. Merci à tous, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!